Antoine Griezmann sont prêts dans l'Euro central et dans le coup d'envoi de cet Euro 2016 et de ce France-Roumanie. Un premier match, on est trop tendu. Oh, et cette première tentative, il a tenté de se retourner. Blaise Matuidi, ce sera pas pour Tataroussanou. Vers le premier poteau. Oh, sur le poteau sur sa ligne. C'est sauvé par Hugo Lloris. Et derrière, pas de possibilité de reprise pour Kirikès. A priori, ce ballon n'a pas franchi la ligne. Énorme, Lloris. Son nouveau Dimitri Payet. Le passement de jambes, le centre. La tête de Giroud. Et ça passe à quelques centimètres du cadre roumain. Un entrée dans le match qu'on pouvait attendre dès le départ. C'est-à-dire des Français qui tiennent le ballon. Bon et qui centrent. Griezmann derrière la tête sur le poteau de Griezmann après une énorme erreur défensive roumaine. Ce n'est peut-être pas terminé pour les Bleus. Si ça l'est, avec Payet présent en défense. Mais quelle occasion encore pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Payet. Pogba. Et frappe de Paul Pogba. Ils ont lâché le marquage là. Payet. Encore une fois la reprise de Griezmann sans contrôle et ça vient terminer juste à côté du montant roumain. Ouais, grosse erreur de la défense roumaine qui a complètement lâché le marquage. Allez, ça va venir couper au premier poteau. Giroud. Et encore une fois au-dessus de la transversale. Avec Sapurano. Stanciu. Oh, attention parce qu'il n'y a pas de hors-jeu. Le contrôle et la frappe. Oh, quelle occasion là-bas pour Stanciu sur ce ballon parfait de Stanciu. Il y a un souci de marquage là, côté de la défense française. Encore un bon ballon pour Griezmann. Là il y a des possibilités sur le côté gauche avec l'accélération de Payet. Giroud qui contrôle et qui frappe. Voilà une frappe cadrée. Ah, encore la différence. Dimitri Payet dans la surface de réparation. Et la reprise de Paul Pogba et la parade de Tataroussanou face au milieu de terrain de la Juventus de Turin. Voilà un mouvement, voilà un décalage et donc voilà une occasion pour les Bleus. Cette fois-ci c'est pied gauche. Tataroussanou. Ouais. Oh, il a manqué sa sortie et Olivier Giroud à la 57e minute vient libérer le Stade de France, libérer l'équipe de France et lancer enfin cet Euro 2016. Les Bleus mènent 1-0. Giroud. Et sur une inspiration de qui? Une inspiration de Dimitri Payet encore une fois. Un très bon centre de Dimitri Payet. Avec ce centre et Bakary Sagna au deuxième poteau. Avec Blaise Matuidi, Stanciu. Oula. Au pénalty. Eh ouais. Au pénalty. Eh oui. Accordé par Monsieur Kassa et le contact entre Stanciu et Patrice Evra. Eh oui. Mais alors il faudrait revoir ça. Et ça passe pour Stanciu avec l'égalisation roumaine, un partout. Et il va rester 25 minutes pour aller faire à nouveau la différence. Martial. Ouais, il va y aller tout seul, mais là il est 1 contre 3. Giroud, et la frappe de Martial. Il est contré. Kanté, Payet, frappe du pied gauche. Oh définitivement Dimitri Payet de Buzyn. Ah, il était depuis le pied gauche. Et depuis quelques minutes, il était un petit peu éteint. Il avait ralenti son rythme et puis là il nous sort une frappe pied gauche en lucarne. Quel match énorme de Dimitri Payet. Bravo. Ah, il peut recevoir une ovation là, Dimitri Payet. Quel match extraordinaire. Et la contre-attaque emmenée par Blaise Matuidi. Ça peut aller loin avec la pointe de vitesse de Moussa Sissoko. Et la frappe de Sissoko. Mais c'est fini. Et c'est terminé. Après 4 minutes de temps additionnel. La joie du bon français. La joie du staff.